de ville sont là, regardez. Ils sont beaux en plus. Ils ont l'air tellement sympa. Et c'est eux, je vous dis. C'est eux. Oh, on est contents. Oh, on est contents, on est contents. Au bon endroit, bravo d'avoir choisi France 2 et tout le monde a son mot à dire, on est très content de vous retrouver. Ça y est, vous êtes en place? Ça y est, tout est centré. Vous êtes repassé, c'est bon? Moi j'ai besoin que les choses soient centrées, à équidistance les unes des autres, j'ai des névroses comme ça. Vous êtes un gros maniaque quoi. Pas gros. Un maniaque. J'ai perdu un peu en plus, je sais pas pourquoi vous dites ça. Non mais c'est vrai que j'ai, voilà, vous savez, on a chacun ses petits défauts hein. Non. Moi j'aime bien, vous voyez mes petites fiches, peut-être, tout bien, à bonne distance. Pas très grand, Si ça vous emmerde ma vie, vous me le dites. Hein. Mais c'est vrai que ma vie est assez emmerdante finalement. Maintenant que j'y pense. On est avec notre championne, figurez-vous. Amandine est là. Amandine, 4 victoires, 8000 euros. 19 ans. Elle pourrait être ma petite fille. Oh la vache. C'est fou quand même de se dire ça. Ah oui? Mais si. Votre fille. J'ai calculé. Non, ma petite fille. Mais non. Mais si. Si j'avais eu une enfant à 18 ans, oui. Si elle-même avait eu une enfant à 18 ans, ouais, d'accord. Si elle-même aurait une enfant de 19 ans, ah bah oui. Eh oui. Ah oui, c'est choquant. Ah oui, c'est choquant. Mais ça m'a choqué moi-même. Ça énerve tout le monde d'ailleurs. Face à vous, Amandine Laurence. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, Laurence. Vous êtes en couple avec Pierre et vous avez deux beaux-fils. Pierre. Un autre Pierre, donc, 31 ans, et Nicolas, 30 ans. Vous êtes chargé de mission en prévention des addictions. Oui. Auprès d'une agence régionale de santé. Vous habitez près de Lille, dans le Nord, à Vanny. C'est tout à fait ça. Et alors, vous, votre rêve, c'est de faire une tournée de restos étoilés. Ah oui, je rêve de faire la tournée de tous les bons restos, étoilés ou pas. Bon, bah déjà, en vous France, selon par les gars, à l'étranger, ah oui, c'est si vrai, j'arrive à éliminer la championne. On vous souhaite ça. Soyez la bienvenue. Éclatez-vous chez nous. Vous êtes en bonne compagnie, l'une et l'autre. De votre côté, Amandine, nous aimons Vanessa Ferry, Monsieur Antoine Pinault. Et pour jouer avec vous, Laurence, on a choisi deux très belles tables, de mets divins, Isabelle Vitari et Jérémy Crédville. Allez, c'est parti, place à la manche. L'alphabet à thème. Pour vous, Laurence, dans cet alphabet, nous allons jouer sur le thème du disco. Oh. Pas disco. Avec la musique, évidemment, mais aussi avec les années disco, plus largement. C'est bien, Chloé? Top chrono avec le A. Une Juliette qui veut entendre en stéréo le dernier jour du disco. Armanet, oui. Le B, elle donne la fièvre le samedi soir en balançant des paillettes, Jérémy. La boule à facettes. Oui. Le C, dans les années disco, il venait en complément des pâtes d'Ef, Isa. Le cul pour de nouille. C'est étonnant. Hein. Le cul de nouille. Bah, enfin, le colpel à tarte. Bah, merci, mais oui. Beaucoup mieux. Ah, c'est plus haut. Le c'est D, haut. DJ à lunettes qui nous fait voyager avec son disco Maghreb. Isabelle. Ah, oui, quoi? C'est pour vous. Qui fait, je sais pas. Laurence. Qui, DJ Snake, elle l'a dit. Merci. Ah, DJ Snake. Bien sûr qu'elle l'a dit. Le accent aigu, telle la musique dont Céron a été un précurseur avec Supernature. Enfin, Supernature. Ouais. C'est ça qui? C'est à vous. Ah ben, électronique. C'est toujours au con qui demande. Ben, je sais oui. pas, c'est toujours moi. Bon, Laurence. Le F, il est Didier Travolta dans le film Disco. Bah enfin. Franck Dubosc. Merci Jérémy, merci. Heureusement que vous êtes là mon petit. Merci. Le H, Isa, le titre le plus chaud d'une donna diva du disco. Hot stuff. Oui, j'aime quand t'es comme ça. Laurence, le I, dans un autre registre, c'était le pays joyeux des enfants heureux jusqu'en 82. Ouais. Laurence. L'île aux enfants. Oui. Elle l'avait. Le L, oui, très bien. On fera le procès plus tard. Le refrain du tube disco I Will Survive, version 98. C'est dansant. Donc, Laurence, 9 bonnes réponses. C'est nul. Surtout que c'est ma génération. Il y avait une personne absente dans la partie. Les énoncés. Mais parce qu'il disait Isa. Clair. C'est qui Isa? Moi, c'est Isabelle. On appelle Isa moche, oh Isa moyenne. Ils abusent. Belle, voilà. Ils amusent. Dites-moi, vous avez un boulard épouvantable. comme si c'était nouveau, quoi. Comme si c'était nouveau.
Isaboule. Bon, Isaboule. Pardon. Isaboulard, voilà. Bon, Amandine, on va jouer maintenant sur le thème de la tech. Avec de la musique techno, évidemment, mais aussi avec les années techno, c'est-à-dire les années 90. Attention, mes amis. Attendez. C'est parti, c'est parti. Amandine, avec le A. Pays de la tech. Allemagne. No, qui s'est réunifié en 91. Allemagne. Oui. Valessa le B, des boum boum que l'on entend 120 fois par minute dans la techno. Des battements. Oui. Antoine le C, il revient d'une soirée techno, couvert de piercing dans Les Trois Frères. Campon. Oui. Amandine le D, au platine, c'est le scratch héros de la techno. Disque jockey, pardon. Oui. Le E, là où les clubbeurs poursuivent la soirée après la disco tech. En after. Oui, Valessa. Le F, maintenant Antoine. La patte française de la musique électro dans les années 90. La French Touch. Ouais. Oui. Le G. Marche des fiertés où la tech est la reine du défilé, Amandine. Gay Pride. Oui. Le H. Émission des années 90 où Charlie et Lulu Show fait le dance floor, le Vanessa. Hit Machine. Oui. Le I. C'est l'île de la tech où faire la fête, Antoine. L'Italia. Vas-y. Non. Ibiza. Oui, Amandine. Le J. Le pape des années disco et techno, Vanessa. Quoi? Le pape des années disco et techno. Ah bah j'ai Antoine. Pas dit donc. Comment il s'appelle? Jean-Noël Dieu. Oh là. Jean-Noël Amandine. Dieu. Jean-Noël Dieu. C'est qui? Jean-Paul II. Mais oui, il a été pape de 78 à 2005. Ah mais alors je savais pas. Moi je cherchais un DJ. Ah, vous nous connaissez. Oui, mais rigolo. Ah bah oui. Bah oui. Parlez du pape quand même. Bon allez, on était avec le cas maintenant, Amandine. En Technival, le mur du son en crash par milliers. Kilowatt. Oui. Le L, DJ pionnier de la techno en France, Vanessa. Laurent Garnier. Oui. Antoine, le M, appareil high-tech des années 90 qui avalait des VHS. Magnétoscope. Eh oui. Fin de la manche, 9 bonnes réponses pour Laurence, mais 11 pour Amandine, le premier point est pour moi. On part en manche 2, bienvenue. On va jouer avec des mots qui commencent de la même manière. On va commencer avec vous, Laurence. Tous vos mots vont commencer par CLA. Ok. Première définition, top, c'est parti. Un camembert en argot. Jérémy ? Clacos. Oui. Isabelle, la peur d'être dans l'ascenseur, par exemple. Claustrophobe. Wow. Bi. Presque, ouais. Laurence, c'est Jérôme dans Les Bronzés. Jérémy ? C'est Claude ? Enfin. Non. C'est Jérôme dans Les Bronzés. C'est clavier quoi? Oui. Ah, oui. Isabelle, séjour au ski pour les petits. Quoi? Séjour au ski pour classe les petits. Classe de neige. Oui. Laurence, ville où les bleus mènent une vie de château. Oui. Clairefontaine. Hein. Ah voilà. Jérémy, oui. Bruit relaxant des vagues, partant calme. Le clapotis. Oui. Isabelle, instrument cher à Sidney Beckett et à Sidney Bechet et à Christian Morin. Clarinette. Oui. Laurence, il se rabat sur les vieux téléphones portables. Le clapet. Oui. Jérémy, une grosse déchirure musculaire. Un claquage. Oui. Isabelle, il est Rhett Butler dans Autant n'emporte le vent. Clark Gable. C'était Clark Gable et ça fait 9 bonnes réponses pour Laurence. Amandine, 9 bonnes réponses à égaler ou à battre. Tous vos mots vont commencer par CHE. Et ça fait clacheux. Clash. On savonne quand on en a sur la langue. Un cheveu. Oui, Vanessa. Sucrerie pour buller. Chewing gum. Oui. Antoine, son train-train quotidien, c'est de siffler sur le quai. Amandine. Chef de gare. Oui, Vanessa. Pardon. Elle fait parfois une belle jambe. La cheville. Oui. Antoine, quartier londonien, célèbre pour son club de foot. Chelsea. Oui, Amandine, qui a l'air zarbi. Chelou. Oui, Vanessa. Un gland devenu grand. Chêne. Oui. Antoine, chef musulman, le plus souvent en blanc. Check. Bravo. Amandine, c'est grâce à elle que la dameuse redémarre. La chenille. Vanessa, oui. Antoine, tel un individu expérimenté. Un chef issard. Amandine. Expérimenté. Vanessa, tel un chef individu. Mais non, chevronné. Chevronné. Ah, ouais, voilà. Oui. Aussi. On repart avec vous, Amandine. Top, là où c'était bien pour Michel Delpech. Chez soi. Non. Chez Suzette, chez Cosette. Chez Lorette. Bravo, Antoine. Amandine, qui est devenue blanc de vieillesse.
Chenil. C'était non, chenu. Ah, oh, mais ça fait 10 bonnes réponses. Vous n'en avez pas besoin. 9 bonnes réponses pour Laurence, 10 bonnes réponses pour Amandine et 2 points de seulement je vous reviens. Amandine, pour l'instant, Laurence, vous n'avez pas de points. Rien n'est joué. Vous le savez. Et Amandine en a 3. Place à la manche 3. On va jouer au bon mot. Le bon mot, ce sont des citations que je vais vous proposer. Il y en aura 4 à chaque fois. Et puis en fait, dans chaque citation, il y aura des bips, des mots masqués. Un mot masqué, ce sera toujours le même mot. Il faudra me le retrouver. C'est, voilà. C'est mon bip à moi. J'adore, moi, votre bip. Je vous remercie parce que vous savez, tout le monde ne dit pas la même chose. C'est un beau bip. Premier bon mot avec cette première proposition. Il n'y a que du bien de son bip. Bip, c'est pour les amateurs de fromage. Un jour à Bip, je chanterai que je l'aime. Bip est la seule ville du pays où l'on monte d'où qu'on vienne. Et enfin, Bip vaut bien une messe. Pour les rouges. Paris. Mais oui, bien sûr. Bravo. Ah bah oui. Phrase attribuée au roi Henri IV à propos de sa conversion au catholicisme lors d'une cérémonie religieuse à la basilique de Saint-Denis en 1593. Paris vaut bien une messe. Le journaliste et écrivain Alain Chiffre, dans son livre Les Parisiens, Paris est la seule ville du pays où l'on monte d'où qu'on vienne. C'est joli. Slimane dans Paname. Tu faisais lire chacun de mes poèmes. Un jour à Paris, je chanterai que je l'aime. Paname, Paname, on arrive. Moi, ma gueule et Paris, c'est pour les amateurs de fromage. Ça, c'est un post Instagram d'Emily Cooper, l'héroïne de la série Emily in Paris. Deuxième bon mot. L'amour consiste à être bête, bip. Ok, c'est plus Paris. Les prochains mois seront moches. Et on va les passer bip. Michel, ma belle, sont des mots qui vont très bien bip. Pour ensemble. Les oui. Ensemble. Les Beatles. Michel, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble. Très bien ensemble. Et l'homme pâle dans Décrescendo sur son album Mauvais Ordre. Je le garde prisonnier chez moi. Les prochains mois seront moches et on va les passer ensemble. Et Paul Valéry, dans son essai La soirée avec Monsieur Test, l'amour consiste à être bête ensemble. C'est autre bon mot. Si je suis une atmosphère, t'es un bip de bled. Ah, 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 ma foi, cela est tout à fait bip. Hein? Tu m'as dit que j'étais faite pour une bip de vie. Drôle. Drôle. Oui. Ouais. Véronique Sanson, chanson sur ma drôle de vie, 1972. Le valet Coviel dans Le bourgeois gentilhomme de Molière dit ha ha ha, ma foi, cela est tout à fait drôle. Ah, ça m'a l'air en vrai d'être drôle. Je vais faire un petit stage. C'est qui manque un peu le début. Ouais. Oui, il faudra un stage avec une comédienne merveilleuse. Absolument. Voilà, si vous êtes disponible. Vous m'appellerez. Et Arletty à Louis Jouvet dans le film Hôtel du Nord de Marcel Carné. Si je suis une atmosphère, oh là là. T'es un drôle de bled. C'est mal joué, mais c'est drôle. C'est vraiment joué. Ouais. Mais la phrase est belle. Eh bien, allez-y, tiens. Allez-y, oh, allez-y, allez-y. Allez-y, okay. Allez-y. Ah, vas-y. Dans le plan gentil, vous êtes prêts? Vas-y. Vas-y. Ah ouais, non, tu vois, c'est pas... Cela est tout à fait drôle. Ah oui, ah, drôle. Bah oui, là, ouais. Drôle. Ah, je suis une atmosphère. Eh ben, t'es un drôle de bled. Ok, ok. Oui, d'accord, j'ai vu la différence. Ça va, ok. Et tout d'un coup, il y a une dimension, il y a quelque... Ça raconte une histoire. Il y a de l'émotion. Il y a de l'emphase. C'est dans les yeux, quoi. Bon, dites-moi, ça nous jouer, là c'est cuit pour les bleus. Ah, hein, oh là là. On pouvait jouer. Ah, non, parce que depuis le début, c'est un puis l'autre. Non, ouais, non. T'as raison. Prends-moi pour un con, mon mignon. Alors attention, il nous en reste encore un. Il nous en reste un. Au moins, l'honneur est sauf, peut-être, ou pas sûr. Non, mais je savais pas, moi. Écoutez bien, on prend les bêtes par les cornes et les hommes par les bips. De belles bips, bientôt vous serez à court. Ouais, mais bon. Les idées? Parole. Bah non, c'est bon. Ah. Pas mal, t'étais t'as pas tenté. Loin. Bien tenté. Bah, t'as de des idées, toi? De belles paroles. Oui, mais on met toujours au singulier. Ah oui, d'accord. Ah ouais, donc faites ce que vous voulez. On met le... D'accord. Il change les règles. C'est incroyable. Un jour, je marierai un ange. Pierre Demar, écoutez. Et c'est toujours le même discours. De belles paroles. Bientôt, c'est à court. Ah, bah, tu connais. C'est ultra récent. Et le proverbe.
verbe suivant. On prend les bêtes par les cornes et les hommes par les paroles. Sans cesse. Fin de cette troisième manche. Les comptes sont vite faits. Tout est pour Amandine. 3 points de plus pour notre championne. Total maintenant, toujours rien pour Laurent. 6 points pour Amandine. Merci. Allez, maintenant on y va, c'est la manche 4. Allez. Dans cette manche 4, on va jouer au duo. Deux mots s'affichent, je vous donne une définition. Oh là là. Vous me dites lequel de ces deux mots se rapporte à la... Définition, évidemment. On commence par vous, Laurence. Tant que vous avez des bonnes réponses, bien sûr, vous conservez la main. Je compte sur vous. Top, c'est parti. Mercure, Uranus, la planète pleine de gaz. Mercure ? Non. Jérémy, Mercure, Uranus, la planète pleine de gaz. J'irai Uranus. Oui. Oreiller, édredon, la spécialité de pâté. C'est l'édredon. Non. Ah, pâté, c'est Isabelle, l'oreiller. Mercure, Uranus, la planète pleine Uranus. De gaz. Uranus ? Oui. Oreiller, édredon, la spécialité de pâté. L'oreiller ? Oui. Ouais. 22 euros, 33 euros, le montant moyen d'argent de poche mensuel des ados. 22 euros. Non. Oh, Laurence. Mercure, Uranus, la planète pleine de gaz. Uranus. Oui. Oreiller, édredon, la spécialité de pâté. Édredon. Toujours pas. Jérémy, Mercure, Uranus, vous êtes fatigant. La planète pleine de gaz. Uranus. Oui. Oreiller, édredon, la spécialité du pâté. Oreiller. Oui. 22 euros, 33 euros, le montant d'argent de poche mensuel des ados. 33 euros, oui. Le petit bourg. Djoubi, Djouba, la capitale du Soudan du Sud. C'est Djoubi. Non. Djouba. Isabelle, Mercure, Uranus. Uranus. Oui. Moi, je joue. Enfin, t'as qu'une bonne réponse et on a l'impression que t'as grimpé l'Everest. Hein. J'aime pas non plus. C'est clair. Non, mais attends, on est dans une équipe quand même de la loose. Et d'avoir réussi à faire un point, déjà, c'est extraordinaire. C'est notre Everest à nous. On s'était concerté avant, on fait chaque fois mauvais, bon, mauvais, bon, mauvais, bon. Vous aviez une stratégie. Dis donc, vous n'avez pas encore gagné cette manche. C'est pas faux. Alors, Uranus et Mercure, celle qui a du gaz, c'est Uranus. Mais non, c'est Uranus innocent. Il y a quatre planètes gazeuses, t'as qu'à les retenir, puis ça ira plus vite. Oh. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Oh, j'en connais d'autres. Mercure, Vénus, Terre, Mars, ce sont des planètes telluriques, rocheuses, avec de la caillasse. Oreiller, édredon, la spécialité du pâté, c'est très facile à retenir. Était en pâté. L'oreiller de la belle aurore. C'est... Elle dormait sur du pâté. Oui, c'est un pâté en croûte créé au 18e par le gastronome Briard. Ça va. C'est un bon morceau. Hein. On y trouve près d'une dizaine de viandes variées, pas avariées, variées. Et c'est délicieux, surtout le lendemain. À l'intérieur. Tout le monde meurt, c'est génial. L'Office du Tourisme vous remercie. Je vous en prie, vous savez, moi, si je peux aider. 33 euros. Eh ben, le montant moyen d'argent de poche mensuel. Tu te rends compte? Mais nous, on n'avait rien, mon petit. On avait quoi? Des nickels, et encore. Djouba, Djoubi. Bon, celle-là, ça a été bien, celle-là. La capitale du Soudan. Ça commence par Djouba. C'est Djouba. Soudan du Sud, en Afrique de l'Est, est devenu indépendant du Soudan en 2011. Sa capitale est située sur la rive gauche du Nil Blanc. Pour Djouba, hein. Ouais, c'est Djouba. Djoubi, bonne chance pour y aller, ça n'existe pas. Voilà. Merci, cher Olivier. Une bonne réponse. Je n'ai qu'un mot à vous dire. Bon courage. Ça ne va pas être facile. On est capable de se planter. Hein. Vous êtes prête, Amandine? Top. Allez. Gâcher, manquer, le gâteau au beurre fondu. Manquer. Oui. Lewisham, Hilton. Lewisham, Hilton. Le nom d'un quartier du Grand Londres. Hilton. Non. Vanessa, gâcher, manquer, le gâteau au beurre fondu. Manquer. Oui. Lewisham, Hilton. Le nom d'un quartier du Grand Londres. Lewisham. Oui. Ctrl V, Ctrl X, le raccourci clavier pour couper du texte. Ctrl X. Bravo. Jean Moulin, Jules Ferry, celui qui a donné son nom au plus grand nombre d'établissements scolaires. Jules Ferry. Bravo. Récital, récito, le pluriel du mot récital. Récital. Bravo. Peace, Love, la chanson du groupe Dépêche Mode. Peace. Bravo. 17-21, le nombre qui porte malheur en Italie. 17. Oui. Oula, oup, la danse hawaïenne. Okay, il danse le... Je sais pas, il danse le... Faut répondre. Je sais pas, le oula. C'est 8 bonnes réponses. Sur le hasard vers la fin. Du tout. Jamais. Le nom d'un quartier du Grand Londres est un borough, une sorte de communauté de communes située dans le Grand Londres au sud-est de la capitale. C'était pas très loin de Les Huit Tons. Bromley, qui est l'endroit où j'ai vécu avec mes grands-parents pendant très longtemps. Oh, c'est mignon. Charmant.
En 1800. Une bonne réponse. 1827. C'était sous la... Non, c'était déjà la reine Victoria. Ah, oui, oui, un d'accord. peu plus tard. Je vous emmerde, je ne sais pas si vous allez dire ce mot falso. Je ne sais plus. Et parfois, j'oublie de l'envoyer, vous savez, les touches, tout ça. La pièce jointe. Ça y est. La pièce jointe. Une bonne réponse pour Laurence, 8 bonnes réponses pour Amandine. Les 4 points de cette manche vous reviennent. Amandine, Laurence, vous partez en finale. Ouais. 100 points. Mais elle part en finale. Oui. Mais je vais en finale. Voyons le bon côté des choses. C'est ça, quand même. Et Amandine, notre championne, 10 points. Bravo. C'est n'importe quoi aujourd'hui. Merci, Mme Vitari. Vous avez été superbe, comme toujours. Merci, Jérémy Crédville. Merci, Mme Saferi. Et Antoine Pinot. Merci, Simon. Et quant à nous, à tout de suite. Retour sur le plateau de Tout le monde a son mot à dire. Nous sommes avec nos deux candidates. Nous avons Amandine, notre championne. 4 victoires pour un total de 8000 euros. Et Laurence. Bon, Laurence n'a collecté aucun point jusqu'à présent. C'est notre championne qui a tout, mais ça ne veut rien dire. Place au jeu avec donc Amandine pour commencer. Finale à 3 minutes, je vous le rappelle. Je demande le chrono. C'est parti. Avec le A, billet de train simple et sans retour. Allez. Oui. Le B, barbichette ou père de la biquette. Bouc. Oui. Le C, humoriste qui commente l'actu dans l'émission Quelle époque ? Coué. Cavrivière, Philippe Cavrivière. Laurence, le D, zone du supermarché où l'on peut retirer ses courses commandées sur Internet. Le Drive. Oui. Le E, pays représenté par la Miss Univers élue en 2023. Avec un E. Éthiopie. États-Unis. Amandine, le F, varier constamment, telle une idée ou une valeur boursière ? Fluctuer. Oui. Le G, elle est au raisin, ce que le régime est à la banane. La grappe. Oui. Le H, la porte du coffre, plus la lunette arrière sur une voiture. Le haillon. Oui. Le J, prénom commun au journaliste Legros et au réalisateur Audiard. Jacques. Oui. Le L, sur Facebook, pouce en l'air, indiquant qu'on aime une publication. Un like. Oui. Le M qualifie le salaire que la moitié des Français gagnent au minimum. Médian. Oui. Le N, manga où un jeune garçon aux cheveux blonds s'entraîne à devenir ninja. Naruto. Oui. Le O, cavité osseuse abritant l'œil. Oculaire. L'orbite. Laurence, le P, en un mot, synonyme de pratiquement ou de quasiment. Presque. Amandine, le R, il peut être de fortune, de la main ou de la médaille. Revers. Oui. Le S, partie d'un lit sur laquelle repose le matelas. Le sommier. Oui. Le T, chanteur du titre Nothing is Lost sur la BO d'Avatar, la voix de l'eau. The Weeknd. Oui. Le V, mettre des concepts compliqués à la portée de tous en les simplifiant. Vulgariser. Oui. Le Y, ingrédient indispensable à la préparation du tzatziki. Yaourt. Oui. Le A, étirement qui permet à un sportif de détendre et d'allonger ses muscles. Avec un A. Assouplissement. Laurence, le B, rue londonienne où habite Sherlock Holmes. Baker Street. Oui. Le C, enduit rugueux de plâtre ou de ciment dont on revêt la façade des maisons. Ciré. Le crépi. Crépi. Amandine, le D, elle incarne la commandante de police Raphaël dans la série Astrid et Raphaël. Avec un D, Devers, Lola Devers. Laurence, le E, désépaissir des mèches de cheveux avec des ciseaux crantés. Effilé. Amandine garde son titre de championne. Bon, malheureusement, là. C'est beaucoup facile à la maison. Et alors, je vous dis pas, quand on est comme moi et qu'on a les fiches, c'est encore beaucoup plus simple. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que vous le prenez avec le sourire. Ah, et c'est bien l'important. C'est une émission d'ambiance. Hein. Ça n'est pas qu'une émission de jeu. On était ravis de vous avoir avec nous, sachez-le. Merci. Merci pour la bonne humeur que vous avez apportée. Vous repartez avec ce cadeau, regardez. Amateurs de grands domaines viticoles, bienvenue en week-end au château du Pizet, hôtel 4 étoiles de charme, spa et restaurant gastronomique au cœur du Beaujolais. Ah, cool ouais. Merci beaucoup.
Je pense que ça devrait être merci. Sympathique. Ouais. Ma chère Amandine, bravo, les 10 000 ont été dépassés. On est à 10 400 euros maintenant pour notre championne. Et on sera là la prochaine fois avec Amandine et vous et tous nos amis, je l'espère en tout cas. D'ici là, passez un excellent moment grâce à Nagui. N'oubliez pas les paroles, c'est tout de suite. Au revoir.